Bonsoir à tous et merci de choisir France 3, la chaîne des régions, pour vivre ce premier tour des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. 19h, les 4771 bureaux de vote de nos deux régions sont donc fermés à cette heure-ci. Tout au long de la soirée, nous irons dans les 8 départements en direct pour vous donner les résultats au plus près de chez vous. Bonsoir Aude. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Pour ce scrutin inédit, France 3 met en œuvre un dispositif exceptionnel. Tout au long de la soirée, nous allons vous proposer des reportages, des réactions également, mais aussi des analyses. Avec nous sur ce plateau, nos deux journalistes politiques, Jérémy Chevreuil et Lilian Melet. Et puis également à nos côtés, Elsa Bezin, qui tout au long de cette soirée, eh bien, va nous raconter ce qui se passe sur le fil des réseaux sociaux. Premier chiffre à retenir de cette journée, c'est de la participation. Estimation à 17h pour la Bourgogne-Franche-Comté. Elle s'élève à près de 43%, 42,9% vous le voyez précisément, contre 43,01% au niveau national. Oui, c'est un peu plus qu'en 2010 précisément, 1,62 points supplémentaires. Notez que les Bourguignons ont un peu plus voté que les Franc-Comtois, 43,23% contre 42,14%. Revenons sur le scénario de ce dimanche. Voyons quelles étaient les motivations des électeurs en Franche-Comté et les raisons du non-vote des abstentionnistes. Reportage à Besançon de Michel Buzon et Sébastien Poirier. Les hauteurs de Besançon en début d'après-midi, un jour de promenade et d'élections régionales. Aujourd'hui, vous n'êtes pas allé voter ? Non. Pourquoi ? Vous ne vous sentez pas concerné ? Au niveau régional, je ne sais pas vraiment quelles sont les actions prévues par... par les candidats, enfin, je suis pas vraiment au courant en fait. Voilà. À voter. Quelques heures plus tôt, le matin, les bureaux de vote n'ont pas connu une grande affluence, mais un désir très marqué d'afficher un geste citoyen. Je pense que c'est un devoir que tout citoyen doit faire. Surtout pour les femmes, c'était accordé après, et donc maintenant, je suis contente de le faire à chaque fois. Et lorsqu'on évoque une forte abstention possible, les votants n'oublient pas de rappeler qu'il n'y a pas d'élection mineure. À voter. Il y a des personnes qui disent que ce n'est pas très important, mais si, c'est aussi important que le reste. Même son de cloche sur ce marché. Il faut voter, même que c'est les régionales. En permanence, on entend que les régions font beaucoup de choses. Et si on les abandonne, ben... Cette première élection Bourgogne-Franche-Comté entraîne aussi de nombreuses réflexions sur la nouvelle grande région. C'est la première fois qu'il y aura Bourgogne-Franche-Comté. Ça vous évoque quoi ? Un gros point d'interrogation. À Besançon, ce n'est pas sans inquiétude, puisque effectivement, on sera lié à la Bourgogne. Et qu'est-ce qui restera à Besançon ? Qu'est-ce qui ira en Bourgogne ? Il y en avait trop en France, et sans suffisamment de pouvoir par rapport aux Länder allemands. Avec le taux d'abstention et les premiers résultats, les points d'interrogation devraient encore rester nombreux ce soir. À voter. Un point commun des deux régions, beaucoup de communes rurales, voyons ces régionales depuis deux villages côte-dorien. Sylvain Bouillot et Christophe Gaillard se sont notamment rendus à Gergueil. Gergueil, eh bien, c'est le centre géographique de la future grande région Bourgogne-Franche-Comté, où le taux de participation définitif cette fois est de 67%, un peu plus que la moyenne Bourgogne-Franche-Comté. Regardez le reportage. Gergueil, 128 habitants et 101 personnes inscrites sur les listes électorales. À 11h, même si seulement 17 électeurs s'étaient déplacés, le taux de participation était déjà au-dessus de la moyenne régionale. De plus, dans ce petit village, on n'est visiblement pas peu fier d'être le centre géographique de la grande région. Merci. Il y a à la fois des pôles urbains qui sont extrêmement importants, Dijon et Besançon, et c'est quand même dominé par une vie rurale qui est prégnante ici dans la région, donc je trouve que c'est un beau clin d'œil. À 45 km de là, autre commune rurale, Brazé en Plaine, et ses 1925 électeurs pour 2500 habitants. À 16h, les deux bureaux de vote ne désemplissent pas. Je trouve que par les temps qui courent, oui, c'est important de venir voter, oui, effectivement. Même pas que par les temps qui courent, s'exprimer ses idées, oui, c'est important pour nous. C'est normal, on a le droit de vote, il faut s'en servir. Ma foi, après, on verra bien. Ici, même si la participation de ces élections régionales n'est pas comparable à celle d'une présidentielle, pour les assesseurs, cette relative affluence est une surprise. Vu ce qu'il y a là, je pense que les gens sont mobilisés. C'est un premier tour et je pense qu'ils se sont mobilisés. Je m'attendais à moins de votants. À 17h, 47,9% des électeurs de Brazé-en-Plaine avaient voté. Un taux de participation 5 points au-dessus de la moyenne Bourgogne-Franche-Comté.
Il y avait donc 10 listes en course pour ce premier tour. Les leaders ont effectué leur devoir citoyen dans leur fief, à savoir Besançon, Vitteau et Saint-Vite. On vous propose tout de suite des images du vote de ces personnalités. Marie-Guide Dufay, François Sauvadet ou encore Sophie Montel, tout réuni et commenté par Isabelle Mounier. C'est dans une ancienne école de son quartier de Brugy que Marie-Guide Dufay a voté en fin de matinée. La tête de liste pour le Parti Socialiste est arrivée seule, plutôt discrètement, pour glisser son bulletin dans l'urne. À voter. Voilà. Plutôt souriante, la présidente sortante de la région n'a pour autant pas caché une certaine inquiétude. Bonne journée. La journée sera longue pour vous, mais j'ai le sentiment qu'elle sera encore plus longue pour moi. Je pense que dans cette montée inexorable du Front National, et la gauche et la droite ont une responsabilité. Mais c'est effectivement une perspective très très difficile à admettre. À peu près à la même heure, bon, bah, allez, bonne nuit. Loi dit. François Sauvadet s'est lui rendu à la mairie de Vitteau. Le candidat de l'Union de la droite a voté en famille. Petit rappel à l'ordre amusé du scrutateur, il faut prendre au moins 2 listes. On a fait une campagne, je crois, sobre, digne, responsable, sans surfer sur les peurs, et on propose un nouveau chemin, voilà, et de changement par rapport à une gauche qui a beaucoup déçu aussi. Quant à la candidate du Front National, c'est accompagnée de son mari qu'elle s'est rendue à la mi-journée à l'école de musique de Saint-Vite. Sophie Montel, détendue en apparence, dans l'attente de l'issue du scrutin. On est un peu comme un lion qui tourne en cage. Ça va être un peu ça, tuer les heures, passer le temps, et essayer de penser à autre chose, se nettoyer un peu la tête de tout ça pour être parfaitement, dans les starting blocks ce soir. Le rendez-vous est pris. Fin du suspense pour ces 3 candidats dans moins d'une heure. Et il est 19h07. À 7h, tous les bureaux de vote ont fermé en Bourgogne-Franche-Comté. Je vous rappelle le taux de participation à 17h dans la grande région. Il s'élève à près de 43%, 42,9 très exactement, 43,01 au niveau national. À noter que pour la Bourgogne-Franche-Comté, c'est un peu plus élevé qu'en 2010 au dernier régional, 1,62 points de plus, légèrement en dessous en revanche de la moyenne nationale. Et nous partons pour la préfecture de Dijon où seront centralisés tous les résultats ce soir. Sur place, Emmanuel Pinsonneau, vous avez le détail de la participation pour chacun de nos 8 départements. Oui, alors en commençant par le département qui a le plus voté à 17h aujourd'hui, il s'agit de Lyon en Bourgogne avec 47,1% de participation, loin devant les autres, 7 points de mieux qu'en 2010. En deuxième position, la Côte d'Or, 44% de participation. La Haute-Saône termine ce trio de tête avec 43,7%. Viennent ensuite autour de 42% le territoire de Belfort, 42,8%, et la Saône-et-Loire, 42,6%. En sixième position, le Jura, 41% de participation. Avant-dernier, le Doubs, 40,9%. Et enfin, en queue de peloton et seul département encore sous la barre des 40% à 17h, il s'agit de la Nièvre, 39,9% de taux de participation. Alors si on fait un point rapide, une comparaison avec le scrutin régional de 2010, au premier tour et toujours à la même heure, à 17h, la participation est en hausse très nettement dans Lyon et en Côte d'Or. Hausse également, mais dans une moindre mesure, en Saône-et-Loire et dans le Jura. C'est stable en ce qui concerne la Nièvre. Participation en baisse, en revanche, et surtout en Franche-Comté, dans le Doubs et jusqu'à 3 points de moins dans le territoire de Belfort et en Haute-Saône. Merci Emmanuel. Rendez-vous tout à l'heure pour les premiers résultats. Résultats que nous vous donnerons à partir de 20h avec une estimation exclusive pour France Télévisions et pour savoir également comment nous avons voté dans notre région. On vient de le voir, la participation est globalement en hausse dans la Bourgogne-Franche-Comté. Jérémy, la participation, c'est un élément déterminant dans ce scrutin. Ah bah oui, évidemment, on s'oriente peu ou prou vers un niveau d'abstention autour de 50%. Un électeur sur deux donc ne s'est pas déplacé aujourd'hui. Et ce, malgré les nombreux appels répétés dans tous les partis d'ailleurs à aller voter ces derniers jours. Voter pour la République, voter contre le terrorisme, pour ou contre le Front National aussi, eh bien finalement, toutes ces leçons de citoyenneté un peu moralisatrices n'ont, semble-t-il, pas convaincu les quelques 2 millions d'électeurs de Bourgogne et de Franche-Comté. On devrait avoir un taux d'abstention similaire à celui des régionales 2010, une abstention supérieure donc
aux dernières élections départementales au printemps dernier, peut-être parce que les enjeux de ces régionales ne sont pas clairs pour les citoyens, surtout avec la réforme territoriale qui a modifié les frontières et les compétences. Et puis les régions, évidemment, sont plus grandes, difficiles peut-être de s'identifier à cette nouvelle collectivité. Et puis, nous sommes au mois de décembre, une période pas forcément propice. Nous n'avions pas voté aussi tard dans l'année depuis 1965, ça fait un demi-siècle quand même. Alors, dans ce contexte de forte abstention, chaque parti doit mobiliser d'abord son propre électorat. Un dernier mot, généralement, la Franche-Comté vote davantage que la Bourgogne. Cela s'est vérifié à tous les derniers scrutins. Ce ne serait pas le cas ce soir, comme si la Franche-Comté voulait envoyer un message, n'adhérer pas vraiment à cette grande région. Ce sera aussi l'un des éléments d'analyse des résultats ce soir. Merci beaucoup, Jérémy. J'en profite pour vous donner une estimation, justement, de l'abstention définitive. Elle serait de 49%. Pour la Bourgogne-Franche-Comté. Tout au long de cette soirée, nous serons en direct près de chez vous, à Dijon, Besançon, Belfort, Nevers ou encore Mâcon. Stéphanie Bourgeot, nous vous retrouvons en direct de Besançon. Vous êtes au Kursaal de Besançon, là où s'est réunies les forces de gauche ce soir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir, je suis effectivement en direct du Kursaal. Alors pour nos téléspectateurs bourguignons qui ne connaissent pas, le Kursaal c'est d'abord une salle de spectacle, mais c'est aussi le QG traditionnel du Parti Socialiste. C'est ici que les militants se retrouvent, sitôt les dépouillements entamés, pour attendre la lecture des résultats. Et pour avoir couvert plusieurs scrutins dans cette même salle, je peux vous dire qu'il y a ce soir comme un malaise, et oui, il y a personne ou presque. À cette heure-ci, normalement, les troupes commencent à arpenter le parquet, à former de petits groupes, à extrapoler les tendances du premier tour. Eh bien, pas ce soir. Même le bureau de vote contigu dans lequel je me suis rendue tout à l'heure, il n'y a quasiment personne. Alors, soit le scrutin de ce soir n'a vraiment pas réussi à intéresser, y compris les militants, soit les militants et les têtes d'affiche, bousculés par les récents sondages, ont préféré attendre encore un peu avant de se montrer. Seule Cécile Prud'homme, d'Europe Écologie Les Verts, a fait une apparition assez brève ce soir ici. Merci Stéphanie. Première estimation, 20h, je vous le rappelle. Nous restons à Besançon cette fois, au QG du Front National, où nous retrouvons Nicolas Elandalousi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Quel est l'état d'esprit en ce moment, là où vous êtes ? Eh bien écoutez, on est comme vous, on attend tout simplement ici les premiers résultats, les premières estimations de 20h. Tout ça dans un climat, une ambiance assez sereine, assez détendue, que ce soit chez les militants frontistes qui sont déjà arrivés ou chez quelques colistiers de Sophie Montel. Une atmosphère optimiste, sereine, finalement logique au regard des dernières enquêtes d'opinion qui donnaient la candidate frontiste dans le match pour remporter ce premier tour des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Sophie Montel qui n'est pas encore arrivée, ici elle est attendue dans les prochaine minute, Sophie Montel qui viendra évidemment passer la soirée aux côtés de son équipe de campagne et de ses militants et qui devrait ensuite s'exprimer. Une intervention de Sophie Montel que l'on attend ici aux alentours de 20h45. A tout à l'heure Nicolas. Les sympathisants de la liste LR-UDI-E se retrouvent ce soir à Dijon autour de leur tête de liste François Sauvadet. Sur place pour France 3, Théo Souman. Bonsoir, oui, au QG de campagne de François Sauvadet, ici à Dijon, c'est encore très calme. Pas de militants, ils n'arriveront qu'à partir de 19h30. Tous les sympathisants de la droite de Bourgogne et de Franche-Comté vont se rassembler pour savoir à quelle place et à quel score arrivera la liste conduite par François Sauvadet, liste donc UDI, Les Républicains. Ce matin, le candidat a voté dans son village de Vitaux, en Côte d'Or. Il nous a confié aborder ce premier tour des élections régionales avec confiance et responsabilité, tout en reconnaissant la grande incertitude qui plane sur les résultats de ce soir, un flou entretenu d'ailleurs par les récents sondages contradictoires ces derniers jours. Ce soir, François Sauvadet arrivera à sa permanence dijonnaise aux alentours de 20h30 et il livrera sa première réaction aux sympathisants, aux militants réunis ici à 21h15. Voilà, nos journalistes que nous retrouverons en direct, bien évidemment, tout au long de cette soirée. Je me tourne vers vous, Lilian. Lilian, ce scrutin est très particulier. Il est inédit, on l'a dit, d'abord parce que c'est la première fois qu'on va voter pour la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi pour le contexte très particulier dans lequel il intervient. Bien sûr, le principal élément de ces élections, c'est bien sûr les attentats qui ont largement changé la donne et plus profondément qu'on ne le croit. Ils ont totalement pris au dépourvu des listes de droite qui faisaient campagne sur le mécontentement et les mauvais résultats
résultat de l'exécutif. L'image nouvelle du gouvernement face aux événements a nettement affaibli l'argumentaire, pendant que dans le même temps, le contexte de peur et d'inquiétude profitait au Front National, qui du coup peut virer en tête au premier tour en Bourgogne-Franche-Comté, ce que les sondages ne disaient pas par exemple à la sortie de l'été. Mais comme au billard, le coup est à deux bandes, car cette poussée du Front National dans les sondages peut contribuer aussi à une mobilisation plus forte des électeurs de gauche, très absents lors des derniers scrutins. Et le dernier scrutin, justement, les départementales, c'est un des éléments du contexte. La droite a largement gagné en termes de sièges, mais si on cumule nos deux régions au premier tour, la droite n'avait qu'un demi-point d'avance, et la lecture d'un résultat qui disait que les Français voulaient plus de droite peut être battue en brèche par la très forte abstention des électeurs de gauche, déçus par l'action du gouvernement. Cette lecture troublée des départementales explique aussi une campagne sans relief, accentuée à droite par la guerre interne Juppé-Sarkozy. Et puis il y a aussi bien sûr l'effet de la fusion, on en parlait, Jérémy le disait, avec l'abstention, et l'énorme difficulté à faire campagne dans 8 départements, et surtout sur 2 régions différentes, même si elles sont voisines, une Franche-Comté plus à droite sur les derniers scrutins avec un Front National plus haut et surtout avec une identité plus forte qu'une Bourgogne plus ancrée à gauche. Comment parler à tout le monde ? Personne n'y est vraiment arrivé, il faut le dire, mais c'est plus facile pour ceux qui ont décliné les idées nationales plus qu'un vrai programme régional. Ce sera aussi une des clés de ce scrutin, un des scrutins les plus incertains qu'on ait vu depuis très longtemps dans nos régions. Et on compte sur vous pour commenter tout ça tout au long de la soirée. Merci beaucoup Lilian. Allez, on va retrouver également à Besançon notre journaliste Catherine M. Ziri. Catherine, bonsoir. Il y aura beaucoup d'invités aussi du côté de Besançon à vos côtés ce soir. Oui, bonsoir Aude, bonsoir à tous. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. En effet, pour le moment, je suis seule, mais ça ne va pas durer. Nous attendons en effet de nombreux invités ici sur le plateau du studio de Besançon, comme par exemple Éric Alauzet, le député d'Europe Écologie Les Verts du Doubs. Nous attendons aussi Denis Sommer, conseiller régional sortant, premier vice-président socialiste du conseil régional de Franche-Comté, ou encore le communiste Christophe Lim, l'écologiste du Jura Brigitte Monnet, et puis Alain Le Tailleur, chevènementiste du territoire de Belfort. Et puis, nous attendons Sophie Montel, députée européenne Front National. C'est la seule tête de liste régionale qui est restée sur ses terres à Besançon. Donc, nous la recevrons au moment où nous aurons des résultats vraiment définitifs. Elle pourra réagir à ce moment-là. Et puis, nous pourrons également avec elle envisager déjà le deuxième tour de dimanche prochain. Merci Catherine. À tout à l'heure. Autre endroit où nous avons voulu vivre ce premier tour, c'est PEM en Haute-Saône. Vanessa Hirson, vous êtes dans la salle de dépouillement de la mairie. Expliquez-nous les raisons du choix de cette commune. Effectivement, nous sommes à PEM, une petite commune de Haute-Saône, 1100 habitants. Alors pourquoi PEM ? Parce que nous sommes au carrefour de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Pour mieux vous situer, nous sommes seulement à 500 mètres du Jura, à 7 km de la Côte d'Or et 15 km du Doubs. Alors les habitants de PEM se sont déplacés en nombre aujourd'hui pour voter. Ils sont ainsi près de 63% à s'être déplacés. Mais s'ils ont voté, c'est d'abord par acte de citoyenneté, car la plupart des personnes interrogées tout à l'heure m'expliquer, je cite, qu'il ne comprenait pas ce rapprochement, que ça ne voulait rien dire, qu'il votait juste par devoir. Une ancienne professeure d'histoire-géographie expliquait que la Bourgogne et la Franche-Comté avaient deux histoires totalement différentes et qu'à l'avenir, selon elle, ce serait difficile entre la Bourgogne et la Franche-Comté, entre Dijon et Besançon, mais elle a quand même tenu à venir voter. Merci beaucoup Vanessa. Et la Bourgogne et la Franche-Comté, eh bien, sont sur les réseaux sociaux ce soir. On est avec Elsa pour suivre tout ça. Oui, Aude, c'est plutôt calme pour le moment, ça gazouille très peu. Je vous propose du coup de découvrir quelques instantanés de la journée. L'après-midi, foot, vous allez le voir, de Christophe Grudler, le candidat du Modem, qui a écrit ce message en début d'après-midi. En route pour le stade Bonal, Sochaux-Nancy, c'était la Coupe de France. Sochaux qui s'est d'ailleurs qualifié. Du côté de la Côte d'Or, ce sont nos confrères du Bien Public qui ont posté cette photo. À Créancey, le président sortant du Conseil régional de Bourgogne, François Patria, est venu voter. C'était d'ailleurs très tôt ce matin. Sinon, quelques réactions de personnages politiques, mais finalement très peu pour le moment. Vous allez voir celle d'Alain Houpert, le sénateur de droite de Côte d'Or. Réflexion du jour, il nous la livre. Le jour où voter ne sera plus un droit, nous regretterons l'époque où c'était un devoir. Julien Oudoul, lui, dans Lyon, nous poste
sa citation, sa pensée. Il ne faut pas de si ni de mais, il faut réussir, c'est signé Napoléon quelques jours après l'anniversaire d'Austerlitz. Pour finir, un petit clin d'œil à mon voisin de gauche. Hop, je remonte. Jérémy Chevreuil qui a pris le train cet après-midi pour venir ici. Et dans le train, ben, vous voyez, c'était un TER. Il est tombé sur un article où il est écrit « La Bourgogne flambe ». On va voir si c'est le cas ce soir. Merci beaucoup Elsa Allais. Et en plus de regarder eh bien, la télévision, vous pouvez également suivre toute cette soirée sur Internet. Et Internet justement, eh bien, on va retrouver la cellule web avec Sophie Courageau, notre pilote web qui est du côté de la rédaction de Besançon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur la toile, Sophie ? Eh bien, bonsoir Aude. Eh bien, écoutez, depuis quelques minutes, les sites internet de France 3 Bourgogne et Franche-Comté sont passés en mode direct, minute par minute, un fil info où, que vous allez pouvoir suivre toute la soirée. Un fil info où vous trouvez actuellement eh bien, le meilleur des tweets de nos deux régions, les photos de nos équipes de reportage sur le terrain et puis des éléments de décryptage, bien sûr, pour comprendre ce scrutin. Tout cela en attendant les résultats tout à l'heure. Une seule adresse, aude.france3.fr. Après, il vous faut quand même choisir direction la Franche-Comté ou direction la Bourgogne. Merci Sophie, à tout à l'heure pour le résultat. 20h, première estimation sur France 3. Eh oui, des estimations exclusives, surtout soyez avec nous dès 20h15. À tout à l'heure.